Yo, c'est Buryday, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, un nouveau let's play, nouveau gameplay. Je sais pas pourquoi je dis nouveau gameplay. Bref. Nouveau jeu donc. Et une découverte du coup sur Tcha. Voilà. Un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Et ça va être sympa, rafraîchissant comme jeu. On va aller tout de suite dans les options pour voir ce que ça donne. Alors, c'est la première fois que je lance ce jeu, donc je ne sais rien du tout. Donc, aux langues du texte. Ok, pas mal de langues quand même, mais on va garder le français. Mode famille. Bien que le jeu ait un aspect cartoon et ne soit jamais très violent, cette option permet de réduire l'intensité des scènes les plus intenses. Ok, on va laisser comme ça du coup. Aide à la visée au lance-pierre. Ajuste automatiquement la trajectoire du projectile pour rendre la visée au lance-pierre plus facile. Ça, on va l'enlever. Aide au lancer permet de verrouiller les cibles proches et d'ajuster la trajectoire des objets lancés à la main. Ça, on va enlever. Assistance caméra centre automatiquement la caméra derrière chat lorsqu'elle se déplace. Ça on s'en fout pour l'instant. Version on s'en fout. Visée activable. Si activée, une simple pression permet d'entrer et de sortir du mode visée à la place d'un maintien de la touche. Ok. On va laisser comme ça. Caméra, ok. Ajustement de la visée au détecteur de mouvement activé. Active l'utilisation du détecteur de mouvement de la manette. Non, ça on va pas le faire. Ok, visuel, champ de vision, flou de mouvement, grain de cinéma, luminosité, indicateur de point d'intérêt, indicateur de furtivité. Ouais, aide d'action, bulle d'identité, dialogue, réserve d'âme et d'endurance. Bon, ça, pour l'instant, on va laisser, hein, on va pas enlever. Ça, c'est quoi? Ça change la police utilisée pour une police plus claire et lisible, peut créer de légères imperfections dans les interfaces. Bon, on va laisser comme ça. C'est très bien. Ok, du coup, l'audio. Bah, l'audio, vu que c'est la première vidéo, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais on va laisser comme ça pour l'instant. On verra bien si c'est bien réglé ou pas. Ok, bon, navigation dans les menus, ok, ça va. Ok, bah c'est parti, sauvegarde, et let's go. Nouvelle partie, un petit mot de l'équipe, bonjour, bienvenue, vous êtes sur le point de commencer votre aventure dans le monde de Tcha. Nous aimerions vous donner un peu de contexte sur ce que vous allez découvrir. Ok. Ah, c'est beau hein, quand même les photos là, c'est magnifique. Tcha est un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie, une petite île au milieu de l'océan Pacifique. Juste à côté donc du coup de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Fidji. Et un peu plus loin est Tahiti, ok. C'est la terre natale des cofondateurs d'Awaseb et ce jeu est une lettre d'amour à ce lieu unique. Ok. Le jeu est profondément inspiré des paysages, cultures, musique, langues, folklore et traditions locales. Les personnages sont doublés par des comédiens locaux en français et Dréhu, les langues principales de la Nouvelle-Calédonie. Vous pourrez découvrir nos versions de lieux emblématiques, écouter une bande originale influencée par les sonorités locales et interprétée par des artistes et chorales traditionnelles. Ok, sympa. Cela étant, le monde et l'histoire de Tcha sont purement fictifs. Les noms, topographies, détails culturels et de folklore
ont été modifiés par respect pour la tradition et adaptés pour créer une expérience amusante et captivante. Par-dessus tout, nous avons voulu créer un jeu qui soit universel et accessible par n'importe qui autour du globe. Ok. Tia a demandé un effort passionné par une très petite équipe de diverses origines et cultures. Sa création a été une aventure incroyable. Nous espérons que vous vivrez une aventure tout aussi incroyable en découvrant notre univers. Merci beaucoup. Olichi Atrakot. Olichi Atrakot. Attends, Olichi Atrakot. Ok, c'est dur. Hein. De la part de toute la team Awased. Ok, cool. Donc j'imagine que la photo là avec les gars entourés là, enfin les gens entourés, ça va être l'équipe, je pense. J'imagine. Bref, assez parlé. Commençons le jeu. Let's go. Kaloi, kaloi. Lapa lapa iai ni kodadin. Tia laebe. Loitaine malatia. Tu passe de là. Allez, let's go, c'est parti. Un objet utile pour titiller les objets, personnages et animaux. Sois sympa. Ok. Vous voulez entrer le journal, chapitre 1, Huma. Ok. Tirer sur notre coco. Ok. Kazachach, Oleti. Choda chukwenye koilo ni miso na lapai chon. Chonya mama ye la kecheweke. Ok, il va falloir grimper. Bon, bah ça y est. Mokala chesi palapei. Chia e dinjai ne mala.
I khapo nga sama la tingi sa teikem. Ça, c'est bon, ça. Du coup, c'est parti pour le jeu. Ah la vache, ça commence bien déjà. Ah, maniabilité plutôt cool, plutôt sympa. Graphiquement, il est plutôt. Ouais, c'est plutôt sympa aussi. Oh! Stylé! Ah, je peux sauter dans l'eau. Attendez, on va essayer de sauter dans l'eau. Ok. Je pense que c'est fait pour sauter dans l'eau, mais je suis pas sûr. Hop là. Stocker ? Ah, on peut stocker, ok. Si je lance, ça fait quoi ? Ça fait que dalle. Ah, ça fait rien du tout. Bref, on va retrouver notre père sur la falaise. Let's go. J'ai activé la carte, ok. Ah, c'est sympa la... Oh, c'était quoi ça? Un chien. Ou je crois que c'est un chien. Oui, c'est un chien. Attrapé. C'était quoi ça? Reviens. Reviens. T'es bloqué. Que vas-tu faire? Ah, je veux le caresser, bordel. Laisse-moi te caresser. Putain, mais viens ici. Ah, il veut plus, il veut plus, il veut plus. Ah si, peut-être là. Ah. Non, il veut plus. Hein. Ah si, ça y est. J'ai réussi. Voilà. Non mais attendez, il y a un chien, je le caresse. Je pensais pas qu'elle l'attraperait comme ça en fait, le chien. Genre l'attraper comme si c'était un sac à patates. Ah ça y est, il me kiffe maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? S'asseoir, ok. On peut changer de tenue, dormir, manger, ok. Qu'est-ce qu'on a comme tenue? Ah, sympa. Ok, sympa. Ah, sûrement gagner des trucs au fur et à mesure qu'on joue. Mais c'est plutôt sympa, hein. Mine de rien. Ok, bon ben on retournera au feu de camp une prochaine fois. Ah, du coup nous on est où? On est là. Ok. Ah oui, c'est vraiment une toute petite île, hein. Mais on prend un bain. Oh putain, il y a des cochons. Nouvelle entrée de journal, figurine tressée. Figurine tressée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est sympa ça par contre. Ok.
On va aller voir nouvelle entrée de journal, défi de stand de tir. Ok. Ah ouais, on peut faire un foot. Ouais, toi, non mais descends. On peut grimper tout, c'est stylé. Bon, par contre, on peut pas faire vraiment du foot, hein. On peut faire que... Ah, quoi que si, en fait. On faut juste bien gérer, quoi. Bref. Hello? Chim de banane, c'est quoi? C'est des citrons, ça, ouais. Alors, c'est ça qu'il faut récupérer, du coup. Collecter. Ok, ça a l'air d'être ça. On peut stocker, ok. Je sais pas si on pouvait stocker avec les autres avec les autres choses. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris l'ours en peluche, je sais pas du tout. Je sais pas. Ah, est-ce qu'on peut couper du bois? Ah, ça serait trop bien. Oh merde. Je crois pas. Hein. Je ne pense pas. Zut! Quel dommage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, trop bien. Faire quoi là? Faut viser les bordels là ou quoi? Ah oui. Oh, combien? 130. Hey, pas mal, hein. Pas mal, hein, pour une première. Allez, on va retenter. Oh yes, 190, waouh. Eh ben, et voilà, ça c'est fait. On a quoi là? Oh, c'est le potager. C'est quoi ça? C'est du poireau ou quoi? La salade, ok. Ah, c'est quoi ça? Des tomates. Très bien. Ça, je sais même pas c'est quoi ça, par contre. Ça ressemble à rien. Bref. Ah, il est là-haut. Oh merde, j'ai trop de trucs dans mon... Comment je fais pour... Ok. Ah
Ok. Activité découverte, point de vue. Oui, et Opena. Alors, approche-toi du point de vue. Crie avec carré. Et la carte se mettra à jour. Ok. Alors, un bon moyen de ralentir une chute est de parcourir de longues distances en toute sécurité, tressé par le père de Tcha avec des feuilles de cocotier. Ok. Allez, on va faire du planeur. Let's go. Oui. Et dans l'eau, je peux plonger ou... Ah, des nasses à crabes, ok. Alors, on va retourner au feu de camp. Alors, gameplay de rythme, fougère séchée. Alors, les feuilles de fougère séchée sont utilisées comme instrument. Essayez de valider l'icône en rythme. Il n'y a pas de perdant dans la musique, amuse-toi. Ok, si tu souhaites juste profiter de la musique, active le jeu auto et laisse Tcha jouer automatiquement. Ok, sympa. Allez, let's go. Jayla and
Sympa. Un petit moment cool là. Avec plaisir. Jenny Katwani, tu as naken la jahatin. Et signé tout théâtre. Ok. Amela si poede j. J. Jenny Josine. Ni jachas. La calabata huafe. Et j'ai wake huate. Ok, du coup, récolter deux noix de coco, récolter un tarot dans le potager et récolter une figurine. Donc il reste plus que le tarot, du coup. J'ai fait tout à l'avance, moi. J'ai comme ça, voilà. Du coup, il reste plus qu'à aller au potager, c'est génial. Du coup, c'est quoi les tarots en fait? Ah bah c'est ça. Ton père sur le ponton. Le ponton. Ah oui, là-haut. Il a la classe. Tout le gagne bien. La nangine, ni ne juada juada
la iniminito. Ami la huenino, di, kete hat, ne ole, kete at, koi kete at. Nine ni at, ne la metot, me ipie. C'est fini, n'y paie. What's up, Nessie? C'est quoi ça? The fuck? Trop longin là. Holy shit! C'est quoi les billets? C'est quoi les trucs bizarres derrière là? Oh la vache! Kouya la itézi. Ma loa que lao machate. Ma rechele hila nandi petina za itézi. Holy shit! Oups! Aïe! Na amelen meni jawatia e edna azantoa olen bon bah du coup nous on va s'arrêter là pour cette première partie premier chapitre terminé et on va continuer chapitre 2 lors de la prochaine vidéo puisqu'on va s'arrêter donc là pour celle-ci. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour la suite de la découverte de Chia. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.